Nous sommes à Serrières-en-Chautagne, au Club Canin des Pays du Grand Lac. Et nous organisons un sélectif de trophées par équipe. Les chiens courent, au contrario que pour le championnat pour les concours classiques. Là, ils courent quatre chiens avec quatre conducteurs. Et c'est l'aggrégat de leurs résultats qui fait le classement de l'équipe. Je suis la plus jeune de ce concours. J'ai un petit qui s'appelle Pims, c'est un Yorkshire. Et j'ai un grand qui s'appelle Kaina et c'est une malinoise. J'en ai un que je fais courir et il y en a un autre que je passe mais c'est pas mon chien. Bah, jusqu'à maintenant très très bien, un petit loupé sur le dernier parcours. Mais bon, j'ai mes camarades qui ont repris l'ascendant donc tout va bien. Sur les deux premières manches, on était premier au classement intermédiaire. Donc là on va voir avec celle-là, il y a énormément de bonnes équipes. Donc ça se joue à rien, les classements varient d'une manche à l'autre, donc voilà, pour le moment ça se passe super bien pour fêter nos 10 ans d'amitié, nos 10 ans d'équipe. Tout nous plaît, c'est à la fois le fait de faire du sport, la connivence avec nos animaux et puis l'ambiance. Et c'est pour ça qu'on essaie de jouer le jeu en se déguisant un petit peu, c'est ça qui est cool. Alors mon chien s'appelle Idéfix, c'est un petit berger des Pyrénées de 7 ans. Il a commencé l'agility avec ma fille et je suis tombé dans la marmite. Donc voilà pour moi. Aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est vraiment l'ambiance ici. Les parcours sont très fluides et puis le temps est superbe. Donc c'est vraiment ça qui motive. Alors en agility, il y a deux types de parcours. Il y a les agility, où on a les obstacles à zone comme là-bas. Vous avez la palissade, vous avez la passerelle à balançoire. Au bout, c'est à chaque fois marqué par une zone où le chien doit au moins avoir un bout de patte dans la zone. Et après, vous avez comme là où il va mettre en place, ça va être un jumping, où c'est des sauts, des tunnels. Il y a automatiquement un slalom sur les deux parcours, sur les deux types de parcours. C'est là où on ne joue pas personnel, c'est vraiment une cohésion d'équipe. C'est vraiment un ensemble, tous les points comptent, les points de tous les chiens. Il faut que ça soit un jeu, il faut que ça soit une compétition aussi, mais l'équipe surtout. Quand on fait, moi, j'aime bien être tout seul, mais quand je suis en équipe, je travaille toujours pour les autres et je ne travaille pas pour moi. Et ça, c'est important. Il me manque un passage avec Pims et un autre avec Kaina. Je pense que globalement tout a été, tous les facteurs sont réunis en tout cas pour que l'événement soit un succès. Et je remercie aussi donc le Club Canin des Pays du Grand Lac aussi pour avoir organisé ce sélectif, car c'est pas de tout repos, il faut penser à tout. Et je pense qu'ils ont tout mis en œuvre pour que l'événement se passe correctement.